Salut tout le monde, c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Turmoil, The Heat Is On. Nous allons ensemble continuer l'aventure. Bon, on a changé de terrain, on part vers d'autres horizons. Peut-être qu'il y aura plus de pétrole, peut-être qu'il y aura d'autres enjeux, je ne sais pas. J'ai actuellement 90 000 $ sur mon compte en banque, donc on va pouvoir se faire plaisir en achat. Tiens, achetons des choses. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir acheter? Moi je sais, on va pouvoir acheter... Mais en fait il ne reste pas grand chose à acheter. Notre argent va servir à quoi par la suite? Parce que là si j'achète la taille du troupeau, si j'achète par exemple la vitesse des tops et si j'achète le magma, et bah là il nous reste 60 000 $ d'achat. Ah, il va vraiment rien nous rester, c'est incroyable. Bon bah écoutez, j'ai envie de dire tant mieux, comme ça on aura toutes les améliorations et on va les... Et je voulais être vulgaire mais je ne le serai pas. Donc jouons un peu aux cartes avant de commencer. Je dirais plus haut. Et c'était plus bas, donc je viens de perdre 500 $, formidable. Donc on a changé de terrain, donc là c'est vraiment au pif. On va choisir un terrain au pif. Je dirais ici. Là c'est vraiment au pif, hein. Pourquoi ils allaient... Ah non, j'ai cru qu'ils allaient aller tous à gauche, et en fait non, ça va, il y a quelqu'un avec moi à droite. C'est complètement au pif, si on tombe sur le bon, et bah tant mieux. Let's go, on y va. C'est parti. Je sais pas ce qui va se passer quand on va voir toutes les améliorations, il va rien se passer. Parce qu'une fois qu'on a toutes les améliorations, on n'a plus rien à faire, quoi. Le jeu devient beaucoup trop simple. Déjà que là, à chaque fois, on est devant eux au profit. Je sais pas ce qui va se passer. Ah, ça, ça fait plaisir d'avoir du pétrole juste en dessous. Ouh, ça, c'est vachement cool, en vrai. Hop, et en plus, ça veut dire qu'il y en a un autre à droite. Alors, je pense qu'on est tombé sur la bonne map. Là, on va certainement se faire un immense profit. Moi, je le sens. Je le sens énormément. Là il va y avoir du profit. Oh, il va y avoir tellement de profit. Oh, vous sentez pas l'odeur de l'argent là? Oh, moi je sens l'odeur de l'argent. Ça arrive. Ça arrive. Par contre, pas de déversement s'il vous plaît. Pas de déversement. Je n'accepterai aucun déversement de votre part. Je vous le dis. Je n'accepterai vraiment aucun déversement. Sinon c'est la prison. C'est le cachot. Ok, on va directement améliorer la vitesse de forage et tout le tralala. Toujours sympa, on va améliorer aussi le wagon. Voilà, ça c'est cool aussi. On va créer un silo immédiatement parce que les prix vont baisser. Bon, on va créer un géant silo tout de suite, voilà. On met un petit sourcier, c'est un bon début. Oh, on est tombé, là je pense qu'il y a énormément de gaz. On est tombé sur le bon filon là. On va vendre un peu à droite, même si le prix est en train de baisser, c'est pas grave. Ensuite on va vendre à gauche. On va replacer un sourcier. Alors. Ici. On va d'abord aller de ce côté-là. Oh là là, c'est bon ça. C'est très bon. C'est très très bon. J'apprécie. On a assez. Je vais en mettre 15. Normalement, avec 15 wagons, on a largement assez. Voilà, on va améliorer le tuyau. On va replacer un sourcier. Là-bas, il y a du pétrole, mais ça fait un peu loin. Je vais faire un gros scan ici là. Ah mais je vous l'ai dit hein. Je vous l'ai dit, ici c'est vraiment la bonne zone. Alors ici on va faire un tuyau de cette façon. On sait jamais, pour relier le gaz ça peut être très utile. Je vous le dis, c'est la bonne. Là on va aller là. Regardez le petit... C'est quoi cette poche de gaz? C'est quoi cette poche de gaz tout rikiki? C'est quoi cette arnaque? Ah, ils se sont foutus de notre gueule là. Ils se sont littéralement foutus de notre gueule. Alors pourquoi j'ai amélioré ce tuyau là? J'aurais pas dû là. Améliorer ce tuyau là, c'était pas forcément très utile. C'est quoi ce foutage de gueule? Alors par contre là on va refaire un gros silo parce qu'on va en avoir à stocker. Faudrait qu'on essaie de trouver du magma. Ce serait vachement intéressant. C'est quoi cette poche de gaz de l'arnaque? Ah, c'est abusé. Là on a encore du pétrole. Oh, on va commencer à balancer les tops là, un peu partout. Ici là, surtout là. Voilà, ah, c'est très bien. Donc là on a du... Ouh, on a du magma, donc je vais directement me coller parce qu'on va devoir récolter tout ce pétrole et c'est pas facile, il y en a vraiment beaucoup. Allez, dites-moi qu'il y a du gaz quelque part. Il n'y a pas juste une petite poche de gaz comme ça. Pour une fois qu'on a beaucoup de pétrole, faut en profiter. Donc on va stocker ça dans les silos maintenant. On va arrêter de vendre, on a 5 000 de thunes. Normalement ça va être bon. Il n'y a toujours pas de gaz, hein. Je suis tellement déçu. On va replacer un sourcier. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi du gaz, je vous en supplie. Non, vous voulez pas?
Vous avez pas envie en fait, c'est ça? Vous avez envie que je perde? Pour une fois que j'ai autant de pétrole, vous avez envie de me faire chier. Oh, je vais devoir profiter de cette petite poche de gaz qui est ici. Ah, là il y a du gaz. Là il y a du gaz, ça fait ultra plaisir. Du coup, je vais relier. Je vais aller là. Je vais me positionner à côté. Enfin, une poche de gaz, elle est encore toute petite, quoi. Ça suffit pas vraiment. Ça suffit même pas du tout. On va placer d'autres silos. On va créer 3 super silos. Ah non, c'est pas possible. Pour créer 3 super silos, je pense qu'on devrait mettre la plateforme tout à gauche. Voilà, on le verrait s'il y aurait des grosses poches de gaz. Il y en a peut-être en haut ici, là. J'ai pas fouillé, à vrai dire. Toujours pas. Ouais, non, on a vraiment rien en poche de gaz. C'est la grosse arnaque. C'est la grosse arnaque. On rebalance encore des taupes, hein. Ça nous utilise beaucoup de thunes, mais bon, c'est tellement important. Ok. On a bientôt stocké tout le pétrole. Bah, vous avez pas mieux que ça, réellement? Oh putain, c'est la plus grosse arnaque du siècle. C'est la plus grosse arnaque du siècle. Non mais y a rien d'autre, voilà, y a que 2 poches de gaz. Allez, je vais faire quelques scans. On sait jamais. On sait jamais après tout. Y a rien d'autre. Bah écoutez, on va essayer de profiter du prix. Du coup, j'aurais peut-être dû aller plutôt vers la droite. On va plutôt profiter du prix à droite. Et on va commencer à tout vendre maintenant. Ouais, on va relier ça maintenant. C'est parti. Ah mais non, mais là ah non, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. J'aurais dû fermer ça là. J'ai fait de la merde, bon c'est pas grave. Allez, c'est parti, on vend à droite. C'est pas ouf. Non mais c'est pas ouf, c'est nul, c'est même nul. C'est là que tu te rends compte que le gaz il est hyper important. Oh mon dieu. La misère sexuelle. Bah écoutez, je vais patienter, du coup je vais attendre. Je vais... Ouais, bah ouais, il restait un peu de gaz. J'ai fait de la merde en plus dans les... J'ai mal rouillé les tuyaux et tout ça. Bah on va attendre que le prix augmente naturellement. Ce serait cool. Voilà, dès que ça dépasse les 1$, on vend. On n'a pas trop le choix. On va vendre à droite du coup. On va vendre à droite à 1$. Voilà, c'est la misère. On va vendre à gauche maintenant. Ce qui reste. Moi qui n'aimais pas le gaz de base. Eh ben écoutez, bon c'est pas grave. Bah il y avait vraiment pas d'autre gaz. Oh, il y avait un petit trésor ici, dommage qu'on l'ait pas trouvé. 26 000$. Alors je suis pressé de voir la zone. Il y avait beaucoup de pétrole, mais il y avait très peu de gaz et ça c'est hyper dommage. T'as Blanche qui a fait un dollar de t'as qui a fait un profit de 4$. Comment c'est possible? Elle a dû tellement dépenser. J'ai dépensé sans compter. Alors si vous récupérez l'ensemble des trésors souterrains des deux premières rangées, ouais mais bon. Là c'est ça va être mort, on a récupéré qu'un trésor, c'est compliqué. Oh là 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 là, 4$ pour Blanche. On était tous dans la... Ouais, dans la merde. Là, je vais dire que c'est plus haut. Oh yes, là, je vais dire que c'est plus bas. Là, je vais dire que c'est plus haut. Yes, et maintenant, c'est 3 000$ qu'on gagne. Excellent. Alors, je sais pas combien j'ai misé, par contre. J'ai peut-être misé 1 000$. Ça, je suis pas au courant. J'ai pas regardé. Mais en tout cas, on gagne 3 000$. Et ça, c'est cool. Alors, on va acheter ce qui reste. Hein, vitesse, cellule 2. On va acheter aussi le terrain. On était sur un combien? On était sur un 43. Voilà, donc on était sur un bon terrain, à vrai dire, avec beaucoup de pétrole. Mais très peu de gaz. Donc je suis assez déçu. On va rester dans le coin. Là on a du 39. Donc j'ai l'impression que les gros chiffres sont à droite. Donc je vais aller ici. On va se positionner là. Ah, ils viennent tous. Regardez les rapias. Ils viennent tous se positionner à droite. Comme des sangsues en manque d'argent. Du coup, est-ce que je peux acheter le minuteur? Ah ouais. Et bah là j'ai acheté toutes les améliorations. Et voilà, j'ai eu un succès. Homme d'usine. Donc là on a toutes les améliorations du jeu. Je crois. Il nous reste les améliorations du coup du hangar, mais qu'on n'a pas encore débloqué. Ah, connecte le magma au gaz et commence à développer sa production grâce à cette amélioration. Ah mais oui, c'est vrai qu'on a la possibilité d'entourer le gaz, j'avais oublié ça. Connecter le magma au gaz et commencer à développer sa production grâce à cette amélioration. Donc en fait on va devoir entourer le gaz et avec le magma
ça permettra de faire agrandir le gaz. Mais attends, mais c'est bizarre, on l'avait déjà ce truc là dans le premier turmoil. Parce que ça me dit quelque chose du coup. Alors je pense pas que dans cet épisode on va en profiter, ça m'étonnerait. Sauf si on... Oh quoi que 40 000 $, si on fait un bon profit on va peut-être en profiter. Faudra tester ça, ça va être intéressant. Donc le gameplay se repose vraiment sur le magma du coup hein. Parce que là vous avez vu qu'il y a des améliorations qui vont se débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Donc on a toutes les améliorations mais on va continuer à débloquer des améliorations de magma. Très bien. Donc je suis pressé de vouloir d'essayer d'augmenter du coup la taille du gaz. Je pense qu'on va pouvoir se faire des gros profits. Des profits bien lourds, bien gras. Oh oui, c'est bon ça. Ça c'est très bon ça. Bon, c'est une petite poche de gaz. Mais enfin une petite poche de pétrole, mais c'est déjà ça. On va replacer un sourcier. Et on va les vendre à droite. Hop. Alors on a pas besoin d'agrandir les tuyaux juste pour ça. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu plus profond. Oh non, c'est-à-dire que c'est encore plus profond que ça. Ça c'est cool. On va faire un autre tuyau du coup. Si possible, il faut 580 $. Ouais, on va pas forcément les avoir tout de suite. Hein. Voilà. Hop. Par contre, on peut vendre à gauche. Hein. Oh, y a tellement un gros bénéfice à se faire en plus à gauche là. C'est déjà 1,44. Dès qu'on peut, on améliore celui-là comme tuyau. Hop, on remet un sourcier là, un autre sourcier de l'autre côté. J'espère que cette fois-ci il va y avoir du gaz. Donc là, on a du coup du pétrole. On a l'air déjà d'avoir encore pas mal de pétrole, c'est cool. On va améliorer peut-être la foreuse immédiatement. Je vais créer aussi un silo pour commencer à stocker. Ouais, on va aller vendre à droite. On va améliorer la foreuse. Non, 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 pas de pas de déversement. Surtout pas. Hop. Ça va être un peu plus profond ici. Yes, ça c'est ultra bon. On va remettre un sourcier. L'autre sourcier qui est tout à droite pour l'instant, on le laisse. On va pas s'emmerder. On va créer un gros silo. On va continuer à vendre tranquillement. À 80 $. Ah, c'est tellement bien d'avoir des entreprises qui ne se suivent pas au niveau des prix. Comme ça, on peut passer à gauche dès que le prix baisse, c'est juste excellent. Sourcier qui dit qu'il y a encore du pétrole là. Ah, c'est juste un peu plus bas peut-être. Allez voir de ce côté là. Oui. Est-ce qu'on refait un autre tuyau? Ouais, on va se refaire un autre tuyau, tiens. C'est cool de trouver du magma là pour accélérer un peu tout ça. J'améliore jamais la vitesse de forage, j'oublie à chaque fois. Alors que c'est quand même super cool en vrai de forer plus rapidement. C'est super utile. On va remettre deux sourciers. Là je vais faire un scan ici. On va essayer de faire un gros scan ici je pense. On a de la lave là. Yes, yes, ça c'est bon. Et en plus derrière, ce qu'on va faire c'est qu'on va se connecter là. C'est beaucoup trop... Voilà. Ah, c'est trop bien d'augmenter la vitesse de forage. Faut absolument le faire. Ici on va faire un gros scan. Un gros scan des familles. Voilà, ça fait du bien. On a un peu de pétrole tout en bas. Petite poche de pétrole tranquillou. Et on a toujours pas de gaz, il y a plus de gaz ou quoi? Là on a un trésor à récupérer. Putain, mais il y a vraiment plus de gaz ou je rêve? Le petit trésor qui fait plaisir. Il y a vraiment plus de gaz par contre, c'est tellement dommage. Par contre on va arrêter de vendre, on va commencer à stocker là. Ah bah voilà, là il y a du gaz. Ah, juste une petite poche de gaz, hein, c'est pas grand chose malheureusement. J'aurais préféré plus. On va relier ça ici. Et on va se mettre là. Ah, juste une poche de gaz quoi, c'est rien du tout. On va faire des silos.
pas plus que ça. Là, on va refaire des... On va rebalancer des tops. Ah, ils sont vraiment radins en gaz, hein, sur cette région. J'ai l'impression que c'est la région qui veut ça. Ce qui est possible, hein. Peut-être qu'ils nous mettent moins de gaz, c'est fait exprès pour que la difficulté augmente. Et pour qu'on génère beaucoup moins de profit. Mais c'est hyper emmerdant, en vrai. C'est hyper emmerdant. Là, on a vraiment qu'une poche de gaz. On va même pas pouvoir en profiter de ça. Faudrait essayer de l'agrandir. Ah, mais on pourrait l'agrandir, là, attendez. C'est le moment de l'agrandir, là. Ah, mais non, on pourra pas. On n'a pas la compétence. Je suis débile. On n'a pas la compétence. Je peux pas l'agrandir, en fait. Je peux pas le faire encore. Je crois pas que ça fonctionne. Attendez, on va essayer. Je fais peut-être de la merde, c'est possible. Je crois que j'ai pas la compétence pour l'agrandir. Il y en a pas l'air d'avoir d'autres. Non, ça marche pas. Il faut la compétence, obligatoirement. Ouais, on est obligé d'avoir la compétence. Eh ben écoutez, il n'y a plus de pétrole. Ouais, c'est pas ouf en vrai. Hein. Oh là, c'est vraiment pas ouf. On va du coup fermer ici. On va relier ça. Et attendez, on va peut-être patienter que ça augmente un peu le prix automatiquement. Ouais, bah pour 100$, on va accepter. On va attendre que le prix augmente un peu. Vraiment pas incroyable hein, les terrains qu'on a. Hein. Il y a très peu de gaz. Je pense que ça nous pousse à obtenir l'amélioration à 40 000$ afin de faire d'agrandir les poches de gaz. Je pense que c'est fait exprès. Ils ont voulu faire ça. C'est voulu en fait. Bah écoutez, c'est parti. Alors est-ce que j'ai assez de wagons? On va en racheter quelques-uns. C'est parti. Hein, on va augmenter du coup le prix à droite. Allons-y. Bon, il y a vraiment pas grand-chose. Hein. Oh, il y avait vraiment pas grand-chose quoi. C'est la dèche. Hein. Oh, c'est tellement la dèche. 13 000$. Oh mon dieu, j'ai tellement mal au cœur, vous imaginez même pas. Et il y avait rien d'autre, hein. On a tout récolté en plus, hein. On a vraiment tout récolté. Bon, ce qui est cool, c'est qu'on a les bonus du coup. Il y a vraiment rien d'autre. Ouais, alors, au niveau des profits, du coup, on est assez bas. Va falloir vraiment qu'on débloque cette amélioration. Oh putain, on a que 17 000$. Faut absolument qu'on débloque l'extraction de gaz. Faut connecter le magma au gaz et commencer à développer sa production grâce à cette amélioration. On va aller voir des conseils. Parce que là, je comprends pas trop. Conseil du maire. Tiens, il y a des nouveaux conseils. Ah, voilà. Grâce à l'amélioration extraction de gaz, vous pouvez désormais augmenter la taille des poches de gaz en un seul clic. Ah ouais, c'est aussi simple que ça. Veuillez noter qu'elles arrêtent de grandir dès lors qu'elles touchent soit les jointures des pipelines, soit du magma. Lorsqu'elles touchent soit les jointures des pipelines, soit du magma, d'accord. Ok, ah oui, ça va tout changer du coup. Faut absolument qu'on débloque cette amélioration. La meilleure façon de profiter du développement du gaz, stocker du pétrole autant que possible, donc c'est à peu près ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Oh, regardez, ils arrivent à placer 3 silos de cette façon. En fait, ils décalent un peu la plateforme. Ah, c'est pas mal ça comme idée. Ils décalent un peu la plateforme. Du coup, ouais, ça leur permet de claquer 2 super silos à droite. Ah, c'est plutôt une bonne idée de faire ça. Oh, j'essaierai de faire ça. Donc, il nous donne un indice sans le vouloir. Vider de nombreuses poches de gaz en même temps et tuer le réseau existant des tubes autant que possible. Ouais, je vois le truc. Je vois le truc. Mais le souci, c'est que... À la fin de la campagne, le joueur ayant le moindre nombre d'actions de la ville doit partir. Ces actions sont ensuite vendues aux enchères entre les joueurs restants. Ceci est répété jusqu'à ce qu'un joueur possède 50% ou plus d'actions. On n'a pas fait encore d'actions, d'ailleurs. Alors attendez, il y a un truc que j'ai pas compris. Mais là, si on le branche... Le gaz va s'extraire en fait, c'est ça le souci. Vous pouvez désormais augmenter la taille de poche de gaz en un seul clic. Ah, mais il faut fermer la jointure du coup. On est obligé de fermer la jointure, on est d'accord. Parce que là, le gaz s'échappe. Ou alors il faut faire ça au moment... Ouais, je pense qu'il faut fermer la jointure. Bon, on va tester, on n'a pas encore l'amélioration, ce sera au prochain épisode. On a pas assez d'argent. On testera tout ça au prochain épisode, on n'a pas assez de thunes là, malheureusement. Alors du coup, on va faire comme d'habitude... Voilà, on va dire que c'est plus bas. Bien entendu, là on va dire que c'est plus haut. Et là on va dire que c'est plus bas. Excellent, 3 000$ de gagné. Trop bien. Vente de terrain. Oh, on était sur du gros nombre en plus. On va rester dans le coin. Donc là forcément, il va pas y avoir encore beaucoup de gaz pour nous faire chier. Faut qu'on ait au moins un bénéfice d'un peu plus de 20 000, de 25 000$ de profit, ce serait vraiment bien. On permettra d'acheter l'extracteur de gaz du coup. L'extracteur de magma. Donc là on va le décaler un peu. En fait, pour créer plus de super silos. Même si on va pas forcément pouvoir en profiter. En fait, il faudrait le décaler ici, je pense.
Comme ça, là, on pourra en créer deux. Ensuite, un ici. Ouais, c'est pas mal. C'est une bonne idée, sergent. Il y a déjà de la lave ici, ok, pourquoi pas. Deux wagons. Et on va aller à gauche. On va directement augmenter la vitesse de forage, tiens. Ça me plaît. Oh là, il y a de l'argent à se faire à gauche, dis donc. Il y a de l'argent à se faire. C'est même pas là. Sérieusement. Ici alors. C'est juste en dessous. Il y a plein de petites poches de gaz. Généralement, quand il y a plein de petites poches de gaz comme ça, ça veut dire qu'il y en a beaucoup de gaz. Bien généralement. Donc là on va pas améliorer les tuyaux juste pour quelques poches hein, je vois pas trop l'utilité. On va replacer deux sourciers. Et on va aller vendre. Ah, le prix va baisser en même temps, c'est emmerdant. Donc on va devoir créer un silo maintenant. Le prix baisse moins vite à droite. Ça c'est bon, ça c'est très très bon. Il faut se faire un petit bénéfice pour aller jusque là-bas. Voilà. Et là on va stocker par contre. Sinon ça revient beaucoup trop cher. Oh là là, regardez, regardez le prix à gauche. Il est à 3 centimes. Mon dieu. Mon dieu, ça fait peur. Le prix va pas réaugmenter. Bah, je vais devoir vendre à droite hein. Oh putain, je vais devoir vendre à droite un peu. Oh les boules. Non non, pas de déversement. J'ai dit non au déversement. Ouais, on est obligé de vendre un peu à droite. Ça c'est dommage. Quand ça arrive ce genre de truc, c'est chiant. À gauche du coup. De wagons. Non. Oh là là, c'était très juste hein. C'était hyper juste. Il n'y a pas de déversement là, il n'y a pas de déversement. Si vous voulez, j'augmente les wagons, il n'y a pas de souci. Alors, on a encore du coup du pétrole ici. J'arrive pas à faire deux choses à la fois, du coup, je perds beaucoup trop de temps des moments. On va directement se relier ici. Oh, un petit trésor. Appeler la top. On va faire un scan là. Ici, je vais faire un gros scan. On va les wagons. Oh là, ça c'est très bon. Ça c'est très très bon. Là, on va améliorer le tuyau niveau 3. On va aussi. Ah, oh, j'aurais dû le faire avant ça. Juste au moment où je le fais en plus. Tuyau niveau 3, niveau 2. C'est tellement un gros bénéfice d'ailleurs. Là-bas, là. À gauche. Bien, on en profite là. Toujours pas de gaz hein. Donc là ils veulent vraiment qu'on utilise la technique hein, du gaz hein. Ça c'est sûr maintenant, on en est sûr. Du coup, non non, c'est pas ça que je voulais faire. Merci. On va continuer de vendre à gauche. On va refaire un super silo. Là on peut le faire de ce côté là. Yes, ça passe. Voilà, donc c'est intéressant de décaler un peu la plateforme du coup. Est-ce qu'on essaie de se faire 3 super silos? Je pense que oui. Très bien, on va remettre un sourcil. Alors là-bas, il y a énormément de pétrole apparemment. Par contre, faut arrêter de vendre là. Ouh là 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 là, il faut stocker là, les mecs. On en a encore ici. Je vais partir de cette façon. On va pas pouvoir profiter du gaz encore, hein, parce que malheureusement, il y en a pas. J'ai envie de pleurer. Ce temps est révolu. Ce temps est complètement révolu. Vous vous rappelez là où il y avait du gaz presque à l'infini? Bah c'est terminé, il y a vraiment plus rien quoi, c'est incroyable. Ils ont bien baisé la gueule hein. Ils veulent vraiment qu'on prenne l'amélioration. Donc faut au moins que je me fasse 25 000 $ de profit. Ce serait cool. Ok, donc là très bien. On va essayer de remplir du coup tous les silos. Ce serait cool. Ah là il y a un peu de gaz, ce sera pas suffisant. Ça sert presque à rien de le relier en fait. Là ils nous mettent des petites poches de gaz qu'on va devoir agrandir avec l'amélioration, c'est vraiment voulu. Donc là c'est vraiment pas suffisant. On va juste stocker un maximum de pétrole quoi. Alors il n'y a pas d'autre pétrole, ok, on a récolté ce qui reste, très bien. Bah écoutez, on va essayer de vendre, vendre au prix le plus haut. Est-ce qu'on peut quand même augmenter un peu le prix? Est-ce que ça est intéressant? Je pense même pas en vrai. Vu la dépense que ça va nous faire, je pense même pas. Je vois même pas l'intérêt. Bon, on va quand même le faire, mais là franchement je vois pas trop d'intérêt. Pour moi c'est plus de dépenses qu'autre chose.
$489 et là on est à combien? 459. Ok, du coup exclusivité à droite. Voilà, on va attendre que le prix augmente quand même. Là il est en train de baisser donc on peut patienter. Ah dommage, le prix à gauche il était assez élevé. J'espère que le prix va augmenter d'ici là. Qu'il va pas continuer de baisser, on aurait bien l'air con sinon. D'ailleurs on va fermer ici. J'aurais tellement pas dû prendre l'exclusivité à droite. Ok, le prix augmente. Les 25 000 $ de profit, je les vois vraiment pas, les potes. Hein. Je les vois vraiment pas. C'est dommage parce que c'est vraiment l'endroit où on aurait le plus profité du coup de cet agrandissement de poche de gaz. Ok, bah écoutez, on va le faire maintenant. C'est parti. Ah, on est vraiment sur du petit bénef. Hein. Allez, 25 000 $ de profit au moins. Allez, 25 000 $ de profit, s'il vous plaît. On est à 24 000. Avec les bonus, on est à 27 000. On va enfin pouvoir acheter l'amélioration, mon dieu. Je suis tellement heureux, vous imaginez même pas. Extraction de gaz. Et ben enfin, excellent. On pourra aussi acheter la vitesse d'extraction du gaz. Développer votre production de gaz encore plus rapidement grâce à la chaleur du magma. Ok. Et bah écoutez, ce qui est cool, c'est que comme ça, au prochain épisode, on pourra tester cette nouvelle méthode d'agrandissement du gaz. Du gaz, exactement. Et on pourra se faire beaucoup plus de bénéfices parce que c'est hyper important dans cette map. Hein. Ils ont vraiment réduit le gaz au minimum. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Turmoil The It Is On. J'espère que ça vous a fait plaisir. La prochaine fois, on testera du coup la nouvelle amélioration du magma. Et on verra un peu ce que ça donne. Je pense qu'on pourra générer déjà un peu plus de profit. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut.